ce que je veux, moi, c'est que ma soirée soit épargnée de tout scandale. Alors, Lila, je t'en prie, occupe-toi de Twinkle. C'est tout. Très bien. Je te donne l'assurance que Twinkle ne fera rien de travers ce soir. Ça me suffit. Ah, Monsieur Gupta, merci, bienvenue, merci. Bienvenue. Oh, ce n'était pas la peine d'apporter un cadeau. Nous ne sommes pas des enfants. Mais on va le garder, et merci beaucoup. Vous savez, comment puis-je vous le dire, en fait? Je n'ai pu trouver le temps pour me préparer. J'ai fait tous les arrangements pour la fête d'aujourd'hui, et je n'ai même pas eu le temps de me laver le visage. Heureusement que je suis naturellement jolie et intelligente, vous savez. Aussi, je n'ai pas eu à faire trop d'efforts. Bonsoir. Vous comprenez? Oui. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Est-ce que tu as entendu Pini? Elle est en train de tellement mentir que le réservoir de mensonges mondial va s'épuiser. Arrête donc, Raman. Encore heureux qu'elle n'ait pas dit qu'elle fête ses 18 ans ce soir. Ils sont arrivés. Accueillons-les. Wow, Kunj, quelle jolie fête! Entrez, entrez donc. Bienvenue à vous, bienvenue. Comment vas-tu, mon fils? Je vais très bien. Mon cher oncle, ma tante, joyeux anniversaire de mariage à vous deux. Félicitations. Merci bien. Oh, ce n'était pas la peine. Écoutez, ma tante, tu ressembles à la sœur de la méchante sorcière. Tu as mis beaucoup trop de poudre. Une tante poudrée. Yuvraj, tu es devenu très taquin. Donne-moi ta joue, petit coquin, va. Ah, c'est ma tante poudrée, la sœur de la sorcière. S'il vous plaît, entrez, je vous en prie. Oui. Oui, entrez tous. Allons-y. Heureux que vous soyez venus. Venez. Mon fils? Est-ce que vous attendez Twinkle? Non, non, j'étais juste... Vous ne pouvez rien me cacher. Elle va venir. C'est votre fille, après tout. Et elle a besoin de beaucoup de temps pour se préparer. Elle a besoin de 2 heures au moins. Chaque jour, c'est un petit peu plus de temps. Dites-moi, est-elle ainsi depuis toute petite? Ah, ne vous en faites pas, elle va arriver. Oh, Twinkle! Waouh, Twinkle, tu as l'air vraiment très jolie. Cette robe. Waouh. J'avais déjà dit que Twinkle ne doit pas faire de scandale à ma fête. Regarde, elle a mis cette mini-robe afin de gâcher ma soirée. Fais donc quelque chose, Lila. Est-ce que vous avez vu ça? Regardez un peu ce que Twinkle porte. Et vous vouliez que j'accepte une belle fille comme elle dans mon cœur? Que je lui donne de la valeur? Elle ne le mérite absolument pas. Twinkle, quel genre de robe portes-tu? Ma tante, à vrai dire, c'est moi qui lui ai offert cette robe. C'est moi qui lui ai dit de porter cette robe à cette soirée, en fait. J'ai insisté. D'accord, mon fils. Si c'est le cas, et si tu aimes ce genre de robe, et que Twinkle ne trouve pas cela inconfortable, alors personne n'a le droit de te faire des commentaires. Hein, Usha? J'ai raison, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Très bien, maman. Papa, maintenant que Twinkle est arrivé, allons couper le gâteau. Oui, allons-y. Coupons le gâteau d'anniversaire. We'll be right back.
Bubbly? Oui, oui. Donne-moi du gâteau. Donne-lui ça. Merci, ma fille. Donne-moi aussi un morceau de gâteau, j'en ai vraiment envie. Waouh, du gâteau! J'en veux moi aussi! Mais qu'est-ce que t'as fait? Ce gâteau était pour Coach! Oh, Twinkie, ta robe est si courte. C'est une robe pour enfant, tu es grande maintenant, pas vrai? Tu devrais porter des robes plus longues. Oh, vilaine Twinkie, c'est honteux. Je vais aller me laver les mains. J'en ai assez de l'impertinence des Yuvier. Ils dépassent les bornes en prétendant être un enfant. Il faudra que je fasse quelque chose à son sujet. Twinkle. Arrête, Kunj. Si tu es venu ici pour défendre Yuvier à nouveau, alors je t'en prie, va-t'en. Et de plus, maintenant tu soutiens bien plus Yuvier que tu ne te soucies de ton épouse. Tu passes tout ton temps à le défendre et à le protéger. C'est pourquoi je ne peux pas te parler. Va-t'en d'ici. Ton discours est fini ou pas? Je voulais te faire un compliment. Tu es très très sexy. Dans cette petite robe. Mais comme tu veux pas, moi je m'en vais. C'est vrai? Tu me trouves vraiment jolie? Oui. Les gens le disent aussi que la robe que tu portes va très bien. Toi, tu le dis juste parce que tout le monde dit qu'elle me va bien. Pour toi, je ne suis pas jolie dedans, hein? Non, non. Je veux dire oui. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? En fait, tu as l'air... bien dans cette robe. J'ai seulement l'air bien dans cette robe. Tu as entendu ce bruit-là? J'ai entendu, je crois que quelqu'un m'appelle. Oui, 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 j'arrive. Il se prend pour qui, ce Coach Sarnin, hein? Mais s'il me donne ne serait-ce qu'un compliment, il va rétrécir de 10 cm. Il deviendra un homme de petite taille. Est-ce que cela va affecter sa dignité? Mais quel ronchonneur! Allô? Oui, où es-tu maintenant? S'il te plaît, viens vite, afin que je puisse enclencher mon plan. Vous portez des robes courtes, c'est bien ça, Twinkle. Et juste parce que personne n'a soulevé d'objection, tu te sens un peu trop sûre de toi, c'est bien ça? Bien. Je vais bien m'amuser. Quand tu boiras ce jus de pomme où j'ai versé une drogue, tu feras un scandale devant tous les membres de ta belle famille et ta famille maternelle. Ce sera tellement agréable de te voir traîner l'honneur de ces deux familles dans la boue et de les humilier. Et ensuite, tu seras rejeté de tes deux familles, Twinkle. Waouh! Tu seras ruinée, ma chère Twinkle. Où est manger? J'espère que mon ami arrivera vite à la fête. Je viens juste de lui parler au téléphone. Et je pourrai ensuite exécuter mon plan. Alors je pourrai démasquer cet imbécile de Yuvi. Yuvi, aujourd'hui, ton jeu prendra fin. Alors tu es là.
Pourquoi es-tu si en retard? Je t'avais pourtant bien dit d'arriver à l'heure. Excuse-moi, c'est que le trafic routier était dense. C'est pas grave. Je te rappelle de ce que tu devras faire. Bien sûr. Alors allons-y. Nous sommes déjà très en... D'accord, allons-y. Dis, Twinkle, est-ce que tu vas bien? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va? Je vais bien. Allons-y, nous sommes déjà très en retard. Pardon. Je me demande pourquoi j'ai le vertige. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien, comme vous le savez tous, c'est l'anniversaire de mariage de ma tante et de mon oncle aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai préparé une performance très spéciale en l'honneur de mon oncle et de ma tante. Oui. Moi, Twinkle Taneja. Pardon. Je suis une femme mariée maintenant. Je suis Twinkle Kunchesarna maintenant. Alors moi, Twinkle Kunchesarna, je vais exécuter une danse devant vous. Alors est-ce que vous êtes tous prêts? Pourquoi est-ce que j'ai le vertige? Il faut que je m'en contrôle. Je ne peux pas rater une telle occasion. Il faut que je démasque Yovi devant tout le monde ce soir. Musique! Mais que fait Twinkle? Il y a quelque chose qui cloche. Oh, Twinkle, bravo! Ce soir, tu fais vraiment tout ce que je veux que tu fasses. Je voulais tout faire pour que tu baisses la tête devant les membres de ta famille et tes amis afin que tu reçoives une pluie de critiques. Elle a dépassé toutes les limites. Elle n'a pas seulement mis cette robe, mais en plus elle danse ainsi. Elle est de plus en plus provocante et elle nous fait honte. Arrêtez tout ça! Dis la vérité, Yovi, allez! Reconnais devant tout le monde que tu joues la comédie. Méchant! Tu es très méchant! Pourquoi est-ce que tu danses avec ma Twinkie ainsi? Ah! Va-t'en d'ici! Allez! Pourquoi dois-je m'en aller? Qui es-tu pour m'en empêcher? Dis-moi! Es-tu son mari? Elle n'est pas juste sexy. Mais elle porte aussi une robe très courte. Et c'est quoi ton problème, si cela ne lui pose aucun problème à elle? Problème? Hein? Problème? Oui, j'ai un problème! Yo! Je suis Yovi et j'ai un problème, oui! Tu parles d'elle comme cela? Comment oses-tu dire ça? Cette femme est mon épouse! Comment est-ce que t'as osé te comporter comme ça? Arrête, comment? Arrête ça! Kunch, laisse-le partir! Kunch, j'arrête! Kunch, s'il te plaît! Twinkle, ne t'approche pas de moi! Kunch, arrête! Je t'en prie! Kunch! Comment est-ce que tu veux que je le laisse? Comment a-t-il osé te toucher et mal se conduire avec toi? Comment est-ce que tu as osé? Coach, arrête!
t'en prie. Oublie le fait qu'il t'ait touché, Twinkle. Si quelqu'un se permet de te regarder avec convoitise, eh bien moi je vais tuer cette personne, c'est compris, hein? Kunch, ce n'est pas la peine de te mettre dans une telle colère. Ce n'est pas du tout la faute de cet homme, voyons. À vrai dire, je vois que toute la faute revient à Twinkle. Dis, Lila, tu le vois de tes yeux? Tu m'accuses toujours de vouloir tout faire et de comploter afin de ruiner la bonne image de ta fille. Que vas-tu dire maintenant, hein? Je n'ai absolument rien fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ta propre fille, Twinkle, qui a tout fait par elle-même. Vous avez vu, ma sœur? Ce qui arrive quand on accorde une trop grande liberté aux belles filles dans la maison familiale? Et regardez, elle a bu de l'alcool et voyez comme elle est en train de vaciller. Elle n'a même pas honte de son comportement. Elle ne s'inquiète même pas que toute sa famille, maternelle et par alliance, soit présente ici. Et elle n'a même pas une fois considéré que la famille Sarna perdrait sa bonne réputation à cause d'elle. Voyons, Twinkle, pourquoi as-tu besoin de faire ceci? Tu m'as fait avoir honte à ma propre fête ce soir. Et regarde un peu ta mère, tu lui as fait baisser la tête honteusement. Je ne m'attendais pas à cela de toi, très mauvais. Cette fille nous a tous couverts de honte ce soir. Et j'avais absolument raison à son sujet. Elle ne mérite pas de faire partie de notre famille. J'ai vraiment honte de dire qu'elle est ma belle-fille en réalité. Oui, vous devriez avoir honte. Parce que vous avez vous-même ruiné la vie de votre fils en le mariant à une fille qui n'a aucun sens de la retenue. Regardez le vêtement qu'elle porte. Et si elle danse de manière si provocante devant tout le monde, c'est normal que les hommes veuillent profiter. On ne peut pas blâmer les hommes pour cela. Un petit instant. Twinkle est mon épouse. En quoi est-ce que ça vous dérange si moi je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle danse ou qu'elle s'habille ainsi? Vous voulez juste une chance de la critiquer? Juste parce qu'elle porte une robe courte ou qu'elle a dansé avec un homme et boum! Pour vous, elle est immorale. Ce serait mieux de ne pas faire une scène pour tout ça, s'il vous plaît. Kunch, n'essaie pas de défendre l'indéfendable juste parce qu'elle est ta femme. Mais que sais-tu au juste de nos traditions et de nos valeurs ancestrales? Dis-moi! Mais vous, ma sœur, vous savez tout, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une bonne façon pour la belle-fille d'une bonne famille d'agir ainsi? Mais à quelle époque est-ce que vous vivez, dites-moi? Ce n'est pas bien pour une belle-fille de danser, mais si le gendre l'avait fait, ce ne serait pas très grave, n'est-ce pas? Vous croyez encore que les femmes doivent se retenir, alors que les hommes, eux, peuvent tout faire? Que différents critères doivent s'appliquer aux deux genres, n'est-ce pas? Si les femmes ne doivent pas dépasser les limites, qui décide de leurs limites? Vous? Cette société? Twinkle est une femme moderne, jeune et brillante. Qu'est-ce que ça veut dire si elle est mariée? Vous voulez l'enfermer entre quatre murs, n'est-ce pas? Hein? Vous voudriez qu'elle porte un sari et un voile sur sa tête pendant toute sa vie, c'est ça? Elle a aussi sa vie et ses propres désirs. Et moi, je ne veux pas faire obstacle à cela. Parce que je sais très bien que Twinkle respectera toujours ses limites. Elle sait comment me rendre heureux, ainsi que tout le monde d'ailleurs. Quoi d'autre? Elle est mon épouse et je suis son mari. Elle n'est pas ma propriété. Cela ne sert à rien de faire de si grands discours, Kunch. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'elle fait une scène pareille après avoir bu de l'alcool. Elle avait aussi bu lors des fiançailles de Chinky. Vous devez vous en rappeler, n'est-ce pas, Usha? Twinkle ne boit pas d'alcool et cela, je peux vous le garantir à tous ici présents. Elle ne pourrait jamais d'ailleurs blesser qui que ce soit volontairement. Et ça, vous le savez tous très bien. Aujourd'hui, elle nous a tous mis dans une situation embarrassante. Et elle sera certainement punie pour cela parce qu'elle n'a pas commis une erreur insignifiante ce soir. Ma sœur,
Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous devriez envoyer Twinkle habiter chez sa mère. Non, ma tante. Tu ne peux pas donner une telle punition à Twinkle. Il y a sûrement un malentendu. Et tu dois certainement le savoir, tout comme moi, d'ailleurs. Assez ! Ça suffit ! J'en ai assez entendu. Twinkle sera très certainement puni. Twinkle devra certainement être... puni, mais... elle restera dans notre maison et dans sa belle famille. Et demain, je déciderai de sa punition. Viens. Oh mon Dieu! Peux-tu me dire ce qui m'arrive au juste? Je n'ai pourtant pas bu d'alcool. Mais aujourd'hui, ma mère a été embarrassée à cause de moi. C'est devenu encore plus crucial d'exposer la vérité sur Yovi. Tu es vilaine. Je t'ai dit de ne pas porter de robe courte. De la changer. Tu ne l'as toujours pas changée, n'est-ce pas? Tu sais très bien que mon ami sera fâché. Ton ami ne se fâchera plus contre toi après ce soir. En fait, il sera vraiment très content de moi. Comment ça? Oublie ça. Dis-moi quelque chose. As-tu du chocolat? Du chocolat? Twinkie, hein? Ces chocolats sont à moi. Rends-les-moi, s'il te plaît, je ne te les donnerai pas. Donne. Ta Twinkle veut vraiment ces chocolats aujourd'hui. Allez, donne-les-moi. Mais pourquoi tu les veux, dis-moi? Parce que... c'est une affaire entre Kunji et moi. Je ne peux pas t'en parler, Yuvi. Tu es comme un enfant, n'est-ce pas? Tu ne comprendras pas. Non, 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 je veux le savoir. Chut. Je t'ai dit que non, je ne pouvais pas te le dire. C'est une chose entre un mari et sa femme. Mais s'il y a une chose que je peux te dire, c'est qu'après ce soir, Kunji sera toujours heureux avec moi. Ah oui, Yuvi, tu es gentil, hein, n'est-ce pas? Alors tu devras dormir tout seul dans ta chambre ce soir. Eh oui, tu peux même regarder la télé. Bonne nuit! Que tu fais? Je t'ai posé une question, Twinkle.
Je savais bien, Kunj, que tu ne me laisserais pas tomber. Merci. Puis-je te dire quelque chose? Je t'ai trouvé très sexy à la fête ce soir. Twinkle, tu perds la tête. Reprends tes esprits et va dormir. Nous n'allons pas dormir ce soir tous les deux, Kunj. C'est une nuit où nous allons nous aimer. Nous allons rendre cette nuit inoubliable. Twinkle, tu as perdu la tête, je pense. Quelqu'un a sûrement dû mettre quelque chose dans ta boisson pour que tu agisses de cette façon. Va dormir. Kunj! Ce soir, je vais agir comme bon me semble mon cher mari. Twinkle, tu... Chut. Ce soir n'est pas une nuit pour que nous nous disputions, Kunj. Parce que ce soir, c'est une nuit qui est faite pour l'amour. Et ce soir, oublions toutes les disputes que nous avons pu avoir. Et concentrons-nous sur l'amour. Regarde. Dis-moi ce que tu vois au fond de mes yeux. Twinkle, il y a le feu. Yuvi, mais qu'est-ce que tu as fait? Twinkle, recule. Recule, Yuvi. Zut. Twinkle, recule. Mais qui donc a fait cela? Quel bon à rien! Qui a allumé ce feu? Attends, c'est Yuvi qui a mis le feu sur notre lit. Il est complètement faux, oui. Mais pourquoi, diable, as-tu fait une chose pareille? Pourquoi as-tu mis le lit en feu de cette manière? Et si tu avais blessé quelqu'un? Je t'en prie, laisse-le, ma tante. Il est comme un enfant. Ma tante a absolument raison. Ça aurait pu être grave. J'ai le sentiment que nous pouvons faire tous nos efforts, mais on ne peut pas prendre soin de Yuvi correctement à la maison. Des professionnels pourraient mieux faire. Comment? Ce que je veux dire, c'est... que nous devrions envoyer Yuvi dans une institution psychiatrique. Ils pourront prendre soin de lui comme il se doit là-bas. Et ma tante, il recevra le traitement approprié. Mais en fait, Twinkle, est-ce que tu aurais perdu la tête? Comment peux-tu seulement penser à envoyer le fils d'Anita dans un asile psychiatrique? Je suis le premier à reconnaître que Yuvi a fait une erreur. Il est puéril et il a fait une bêtise. Mais tu ne peux pas le punir aussi sévèrement. Si tu tiens réellement à le punir, alors tu dois être équitable. Parce que Yuvi n'est pas seule à avoir commis une erreur. Anita m'a aussi raconté tout ce qui s'est passé à propos du comportement indécent de Twinkle durant la soirée. Si jamais Yuvi doit partir de cette maison, alors sache que Twinkle non plus n'aura plus le privilège d'y résider. Je suis désolée. Mon ami, tu t'en prie, explique-leur. Je vous promets de plus jamais le refaire, je suis navré. Ne me faites pas partir d'ici, non! Yuvi, tu ne t'en iras nulle part. Tu resteras ici, cesse de pleurer. Viens, Yuvi. Mais ma tante... Yuvi ne partira nulle part. Il restera avec nous. Je l'ai dit, et point final.
Pourquoi as-tu mentionné l'institut psychiatrique, dis-moi? Parce que je suis persuadée que Yubi joue la comédie. Mais tu es toujours en train de penser ça. Ne me dis pas que tu as fait toute une scène parce que tu as pensé qu'il réagirait et que tu pourrais enfin l'attraper. Ne me dis pas que c'est ça que tu pensais. Oh Dieu, je t'en prie, crois-moi. Il est en train de faire semblant. Yubi n'a pas perdu la tête. Twinkle, non. Ne me dis plus un mot maintenant. Je peux comprendre ton irritation, Kunj. Mais je suis maintenant arrivée très près de mon but. Je ne vais sûrement pas abandonner maintenant. Tu verras bien. Maintenant, je vais faire tout ce que je peux pour démasquer Yubi devant tout le monde. Kunj, il semble que tu aies fait le serment, que tu ne croiras pas un seul mot de tout ce que je te dis. Je te dis que Yubi est en train de faire semblant. Alors Kunj, crois-moi. Mais c'est incroyable. Tu ne mérites pas tout ça. Tu ne me mérites pas. Je t'ai emmené dans un super endroit. Un endroit tellement agréable. Il joue de la bonne musique. La foule est plutôt sympa. L'ambiance est sympa. Et moi aussi, je suis plutôt sympa. Mais non, non. Tu passes ton temps à répéter la même vieille rengaine. Arrête, tu veux. C'est vraiment très ennuyeux. D'accord. Est-ce que t'as une preuve que Yubi joue la comédie? Non, n'est-ce pas? Non, Kunj, mais je le sens dans mes tripes qu'elle est en train de faire semblant. Réfléchis, Kunj. Il est aussi possible que, quand il nous a suivis à Goa, et que son plan avait échoué, qu'il avait très bien pu concocter un autre plan pour nous séparer. T'as fini? Qu'est-ce que tu as dit? Dans tes tripes? Je crois pas que tu étais triste. T'as même pas de cœur, Twinkle. Écoute, je te l'ai dit à plusieurs reprises. Soyons plus sérieux. Ton quotient intellectuel est limité, hein? Alors, ne le gaspille pas. Et si tu le fais, ben, tu devrais faire très attention parce que tu pourrais te faire mal. Et si tu n'acquiers pas plus de cervelle, tu vas m'agacer. Et moi, je ne le veux pas. Tu es Miss Amritsar, pas Miss Marple qui enquête sur des cas difficiles, n'est-ce pas? Écoute, tu n'es pas si intelligent, toi non plus, pour savoir absolument tout. Si tu sais cela à mon sujet, pourquoi te disputer avec moi comme ça? Écoute ce que je te dis. Écoute, Kunj Sarna, tu es quelqu'un quoi? Que je... Quoi? Allez, dis-moi tout, Madame Twinkle Kunj Sarna. Je m'appelle Twinkle Taneja. Non pas Madame Twinkle Kunj Sarna, compris? Après ses noces, une femme porte le nom de son mari. Tu l'as oublié? Je ne veux pas porter le nom d'un mari qui est un homme ronchon et grincheux. Moi, grincheux? Oui. Si je suis grincheux, alors toi, ben... Allez, viens, monte et accroche-toi bien. Écoute. Oui? Si jamais tu tombes en chemin, alors n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Ce n'était pas drôle du tout, Kunj, j'ai compris? Blague idiote. Ne me dis pas que tu as pensé à une blague stupide dans ta tête et que tu es en train d'en rire tout seul. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Je respire. Kunj, ça te pose un problème aussi? Mais où est-ce que tu as mis ta main? Mets-la plus haut, s'il te plaît, tu me chatouilles. Quoi? Vraiment? Écoute, tu le fais par exprès, là. Je te jure que ce n'est pas intentionnel. Je ne le fais pas par exprès. Cela ne me dit rien de te chatouiller, Kunj. De plus, tu ne m'as jamais dit que tu es anormalement chatouilleux, c'est un problème. Ce n'est pas une condition médicale, tu sais. Ce n'est pas normal, plein de gens sont sensibles, mais... Mais avec qui je discute, ça ne sert à rien de te l'expliquer, n'est-ce pas? Rends-moi service. Mets ta main sur mes épaules comme tu l'as fait en venant, d'ailleurs. Tu mérites pas de me serrer dans tes bras non plus. Une minute. Me dis pas que tu as pris ces paroles amoureuses au sérieux, n'est-ce pas? Hein? Penserais-tu vivre une belle romance? Romance? Et avec toi? Sarna le grincheux? Jamais! Non, jamais de toute ma vie! Je t'ai juste touché par erreur. Du coup, tu as des fantasmes. De toute façon, pourquoi discuter avec toi? Il vaut mieux que je rentre en taxi. Et de plus, cela vaut mieux que de rester là et écouter tes plaisanteries idiotes. Je préfère rentrer toute seule. Et oui, il y a autre chose. Prends ça! Twinkle, tu... Ma femme est vraiment très bizarre. Elle ne cesse de faire preuve d'arrogance envers moi. Souffrirait-elle d'un désordre profond de la personnalité ou quoi? Elle change comme le temps. Parfois, elle est normale. Hein? Et parfois, elle est comme une reine guerrière et elle fait de ma vie un véritable enfer. Et maintenant, elle court comme une vraie sprinteuse. Elle court maintenant. Et moi, je dois la suivre. Hé, la tragédienne. Ton attitude fière ne marchera pas avec moi. Je connais très bien tous tes plans. Tu iras chez nous et tu te plaindras à tante bébé que je t'ai laissée toute seule. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai en tête. Ne t'en fais pas pour moi, Kunj Sarna. Je ne vais pas me plaindre de toi à ma tante. C'est juste que je ne veux pas rentrer avec toi. Sinon, tu vas encore avoir l'impression que je suis tombée éperdument amoureuse de toi. Pourquoi est-ce que tu te sens mal? Parce que tu dis de mauvaises blagues. Que cela me met en colère, compris?
Dis donc. Mais pour qui tu te prends sur ta moto, hein? Tu es en train de suivre cette femme. Est-ce que tu l'as harcelée, dis-moi? Et en plein jour dans ma zone de surveillance? Non. Bien. Au commissariat, je vais t'éduquer, moi. Mais non, inspecteur, vous êtes en train de faire erreur. Moi, je suis... Attendez. J'ai une preuve sur moi. C'est moi, et elle, c'est ma femme. Nous sommes mariés. Voici l'acte de mariage. C'est un homme vraiment étrange. Je te promène partout avec des preuves. Chef, si vous aviez une femme comme elle, vous seriez forcé de le faire, croyez-moi. À présenter des preuves, c'est vrai. Ça veut dire que vous êtes vraiment mari et femme. Mais alors pourquoi tu la suis en moto? Vous êtes mariés, dites. Vous comprenez mon lot dans ce cas-là. C'est un homme vraiment étrange. Oui. Quoi, vous vous êtes disputé, c'est ça? Si vous êtes disputé, réglez ça chez vous, pas dans la rue. Merci. Bon. Tu transportes toujours notre photo de mariage et aussi notre certificat de mariage tout le temps sur toi. Tu te rappelles la nuit de noces, non? J'ai été arrêté et été mis en prison pour la première fois de ma vie, par ta faute et lors de ma nuit de noces. C'était bizarre. C'est à partir de ce jour que j'ai décidé de ne prendre aucun risque avec toi. Je ne peux pas te faire confiance. Tu peux dire en public que tu ne me connais pas ou dire que je suis pas ton mari et me faire arrêter ensuite. Oh oui, c'est toi. Ce que j'ai pu faire. Quoi, c'est tout? Tu vas rester debout ici et attendre qu'un autre agent de police ne se ramène pour nous mettre en prison ensuite? Où tu vas venir? Assieds-toi. Tu es vraiment bizarre. Pas comme toi. Écoute, roule doucement et n'appuie pas souvent sur les freins, d'accord? Crois-tu que je sois comme toi, en fait? Et qui plus est, après l'événement d'hier soir, bah, je préférais rester à des kilomètres de toi maintenant. Oui, et cela ne me fait pas plaisir de faire tout cela. Si je l'ai fait, c'était juste pour démasquer Yovie, compris? Twinkle, s'il te plaît, cesse de parler d'Yovie désormais. Assieds-toi. Bébé? Oui, dis-moi. J'étais venue vous parler de quelque chose. J'étais venue pour m'excuser du comportement de Twinkle hier soir. Après la fête chez moi hier, je ne comprends vraiment pas comment je pourrais vous regarder en face, bébé. J'ai pris mon courage à deux mains pour venir ici. Je vous demande pardon pour les erreurs que Twinkle a faites. Veuillez lui pardonner. Oh mais, chère Lila, en t'excusant, tu m'embarrasses beaucoup. Oublie donc tout ce qui s'est passé lors de cette soirée. Twinkle est innocente, elle est encore jeune et immature. Mais elle a un cœur très généreux. Elle apprendra tout ce qu'il faut avec le temps. Pourquoi te faire autant de soucis? Je suis là. Je vais lui montrer le bon chemin. Bébé, je me sens rassurée que vous soyez avec elle. C'est vrai que depuis que vous vivez avec Twinkle, je suis beaucoup plus soulagée, je dois dire. Et j'ai entièrement confiance que si vous corrigez Twinkle et lui expliquez quoi que ce soit, elle va comprendre ce que vous lui dites. Ne t'inquiète pas à propos de Twinkle, d'accord? Je ne laisserai rien de mal lui arriver. Merci bien. D'accord, c'est bien. Au revoir. Yovie? Mais qu'est-ce que c'est? Chut! Ne parle pas! Sinon... Ciao! Non, Yovie! C'est... Retire ça! Non! Non! Elle a eu peur, la maman de Kinky a eu peur. Que se passe-t-il? Mais, juste ciel. Juste ciel. Ça va, Lila? Ma tante, pardon. À vrai dire, c'est oncle Surjit qui m'a donné ce jouet pour que je puisse jouer avec, en fait. Pardon, je suis désolé. C'est pour cette raison que j'ai voulu l'essayer. S'il te plaît, dis-lui de ne pas me jeter dehors. Pardon, je suis vraiment désolé, ma tante, pardonne-moi. Ma tante, s'il te plaît, ma tante. Mais t'en prie, Yovie, ma tante, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît. Bon, d'accord, écoute bien.
Viens par ici, tu veux. On ne te laissera pas aller où que ce soit. Tu vas rester ici avec nous dans notre maison. Non, 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 non. Tu dois d'abord promettre que tu ne me feras pas partir, d'accord? Promis. Hein? Non, cette promesse n'est pas assez. Non, oui, tu dois promettre à Dieu, oui, oui. Mon Dieu, je le promets. C'est ça, oui, je suis content. Yuvi, donne-moi donc ce fusil. Non, non, ce n'est pas bien. Oui. Donne-le. Je n'arrive pas à savoir en regardant l'attitude de Yuvi. Est-ce qu'il joue la comédie ou a-t-il réellement perdu sa santé mentale? Je ne pense pas que Yuvi pourrait changer un jour. Mais ce comportement qu'il a... Se pourrait-il vraiment que Twinkle et moi nous nous trompions au sujet de Yuvi? Est-ce que Yuvi aurait perdu son équilibre mental pour de vrai? Comment vas-tu, mon fils? Je vais bien, maman, mais depuis quand vous êtes là? Je suis allée parler à ta tante bébé à propos d'hier soir. Est-ce que tout va bien? Dis-moi, tu as l'air plutôt inquiète. Non, tout va très bien. Pas la peine de t'en inquiéter. Mais toi, comment tu vas, mon fils? Mais maman, je suis aussi debout devant toi. Tu pourrais au moins regarder dans ma direction. Allez, pardonne-moi, combien de temps vas-tu m'en vouloir ainsi, maman? S'il te plaît, pardonne. Coach, mon fils, dis à ton épouse de cesser de faire l'enfant. Elle est mariée maintenant. Elle est la belle-fille d'une famille. Mais au lieu de remplir ses responsabilités et d'agir en responsable, au contraire, elle veut me couvrir de honte devant toute la société. Il est impossible que j'oublie son comportement d'hier soir. J'étais tellement fière de mon enfant. Ma fille était la fierté de toute ma vie. Maintenant, je dois baisser la tête de honte devant tout le monde à cause d'elle. Si elle arrive à comprendre ce que je te dis, alors explique-le-lui. Et surtout, dis-lui de ne pas se présenter devant moi. Maman, je sais que vous êtes fâchée à cause de la fête d'hier soir, je le sais. Mais tout ça, c'était pas de la faute de Twinkle. Elle ne buvait que du jus de pomme, mais quelqu'un a mélangé d'alcool dans son verre. Elle n'a rien fait de mal. S'il vous plaît, veuillez lui pardonner. S'il vous plaît. Maman! Maman, Twinkle! Sajna ve, Sajna.